Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de terreur. Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le top départ. Bien-aimé, lorsqu'on lit le livre de Romains 1 au verset 16, il est écrit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour les juifs premièrement et pour les grecs ensuite. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes aujourd'hui le 12 août 2024 et nous donnons le top départ pour cette grande croisade sur toute l'étendue du territoire ivoirien qui commence là maintenant dans la ville d'Ayamé. C'est le lieu pour nous de déclarer à Yamé d'ouvrir ses portes devant le roi des gloires. Puisque le roi des gloires fait maintenant son entrée dans la ville d'Ayamé. Nous invitons tous ceux qui sont amoureux de la vérité, tous ceux qui défendent la cause de la vérité, tous ceux-là qui ont pris fait cause pour Christ et pour sa doctrine, de se préparer à recevoir le roi des gloires. Alléluia. Bien-aimé, c'est quasiment un mois de croisade dans la ville d'Ayamé. Après, nous serons à Wasokomoé. Autrefois, nous sommes aussi dans le village de Diara, qui est à 100 km de Korogo, c'est quasiment la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et dans d'autres villages et campements. Et donc, c'est le lieu pour nous de demander à tout le corps du Christ qui aime le Seigneur, qui se pose énormément de questions sur les rudiments de la sainte doctrine, et à se préparer à recevoir le Seigneur Jésus. C'est quasiment 5 mois de croisade jusqu'en décembre, et c'est ça non-stop. Et donc, je demanderai à tous les bien-aimés d'élever la voix pour nous, afin que cette mission, nous savons que toute mission est faite de périls, de beaucoup d'avantages et d'inconvénients, de beaucoup d'attaques du monde des ténèbres. Et c'est pourquoi j'exhorte tout le corps du Christ à intercéder, afin que cette croisade atteigne non seulement sa vitesse de croisière, mais atteigne aussi ses objectifs. Quel est l'objectif de cette croisade? C'est annoncer l'évangile dans les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire, dans les endroits où les gens n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. C'est d'aller dans les villes, dans les villages, dans les centres, dans des lieux où les gens ne savent même pas qui est Jésus, et apporter cette lumière-là. Bien-aimés, nous vous invitons aussi à participer. De là où vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez participer, il y aura un numéro qui va s'afficher au bas de la page. Vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous voulez venir participer à ce merveilleux événement, cette grande croisade qui est organisée au nom du Seigneur Jésus. Vous aussi, vous pouvez venir. Tout le monde est invité, non seulement les églises du réveil, mais aussi l'ensemble du corps du Christ qui se trouve de par le monde et qui nous suivent, qui veulent découvrir l'évangile qui se fait dans ces endroits-là. Alléluia. Bien-aimé, assurément, l'homme de Dieu Abraham Paul ou l'homme de Dieu David de Tunisien vont nous donner un mot avant que nous nous continuions dans un moment de louange à l'oreille du Seigneur Jésus. Bien-aimé, vous voyez, les soldats du Christ sont armés jusqu'au temps. Alléluia. Non pas des armes physiques, mais des armes spirituelles. Alléluia. Puisque nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Bien-aimés, nous sommes les fils et les filles du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et nous allons en guerre dans le camp de l'ennemi. Que l'ennemi avait volé jusqu'ici. Bien-aimé, tu peux nous soutenir par tes prières. C'est très important. Amen. Et pour toi qui as envie de prendre part, n'hésite pas à contacter qui de toi. Alléluia. En l'occurrence, maman Christiane, pour prendre des informations. Nous allons vous dire aussi, c'est pas évident. C'est pas facile. Oui. Pour ceux qui l'ont fait déjà, j'avais une idée. Moi, je vais à mon baptême, deuxième baptême. Alléluia. Je vais m'engager. Il n'y a rien pour m'arrêter même. Bien-aimé, priez pour nous. Amen. Priez que le Seigneur permette à ce que son évangile touche les cibles qu'il a lui-même préparées au nom de Jésus. Pas plus tard qu'il y a cela, 2 semaines, le Seigneur disait: allez-y, mes enfants meurent tous les jours. Maintenant, nous sommes en train d'obéir à l'ordre de l'Éternel qu'il a premièrement donné dans le livre de Matthieu 28. Et qu'il nous donne encore par cette prophétie. Alléluia. Pour annoncer l'évangile partout. Comme vous pouvez le voir, à vue d'œil là, selon les êtres humains là, on ressemble à rien, on voit cela même, on peut les éteindre comme un jeu. Mais spirituellement, le lion de la tribu de Juda est derrière nous. Nous a déjà précédés. Et Ève avec nous, au nom puissant de Jésus. Nous là, c'est sur le terrain que le Seigneur rendra témoignage de lui, qu'il y a ensemble de lui. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui nous suivent à la caméra. Alléluia. Amen. Tel que le Seigneur avait dit à Paul, que je vais le montrer. Il a dit à Ananias que je vais montrer à Paul
la mission pour laquelle, comment il va souffrir pour mon nom. Alléluia. Étant serviteur de Dieu bien-aimé, nous avons le droit de souffrir pour Christ. Et la meilleure manière de souffrir, c'est d'être dans les amours, être dans les épines, dans de l'eau sale, pour le baptême, pour la délivrance, pour récupérer des âmes qui sont égarées. Alléluia. Et c'est la mission du réveil international. Jésus revient. Nous sommes là pour préparer l'épouse du Christ. Et alléluia. Amen. Et vous qui êtes à Yamé, qui êtes à Boisseau et dans les environs, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent en dessous de l'écran. Alléluia. Oui. Oui, parce qu'on vient là-bas, alléluia, on vient là-bas avec, non seulement, c'est pas avec notre force physique, mais nous venons avec le roi de gloire, Amen. Le roi des armées. Amen. Quoi? Amen. Pote, vous allez le faire pour moi. Pote d'Ayamé. Allons-y, 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 allons
On va faire une chaise, on va faire une chaise. Voilà, on va faire une chaise, on va faire une chaise. On va aller à l'église.
Papa, elle est carrée.